Bonjour à tous. Je vais peut-être relire le texte qui a été lu par Delphine avec le mot « nettoyer ». Et puis moi, je vais pas mal vous parler de « émonder », qui est une autre traduction. « Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre. » Il paraît qu'il y a une personne, il y a longtemps déjà, qui, après avoir pas mal enduré d'épreuves dans sa vie, dans sa vieillesse, racontait qu'elle était comme un artichaut. Moi, je me sens avec vous comme dans un grand champ d'artichauts, nous sommes des têtes d'artichauts. Et elle disait qu'au fond, sa vie, une à une, ses feuilles avaient été enlevées pour atteindre le cœur, le délicieux cœur, et qu'elle s'était ainsi simplifiée. Je pense que c'est l'enjeu de cette journée, l'enjeu peut-être de cette session, l'enjeu de toute notre vie, de la mienne bien sûr, comme de la vôtre, de se simplifier progressivement pour trouver ce délicieux cœur. C'est peut-être une autre allégorie par rapport à celle du vigneron. Mais je vais quand même rester sur ce texte qui est quand même difficile. Et d'abord, entrer avec vous dans le mystère de la souffrance, pour essayer de le dépasser en accueillant dans ce texte la bienveillance absolue de Dieu. Voilà, mais il faut d'abord reconnaître ensemble que, au fond, l'idée d'être émondé, hein, émondé, ça veut dire coupé, taillé, tranché, sectionné. Le fait d'être émondé, ben, ça nous fait légitimement peur. On n'a pas envie d'être amputé dans nos vies. Et moi, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais j'ai souvent, au fond, un blocage en me disant, face au Seigneur qui peut me donner l'impression de tout demander, hein, pense au jeune homme riche ou à l'homme riche, eh bien, voilà, de dire tout, vraiment tout, gloups, il y a quand même quelque chose qu'on retient, difficile de tout donner. Et je pense que dans sa messe inaugurale, il y a une parole en tout cas qui m'a beaucoup touché de Benoît XVI. Dans sa messe inaugurale, vous vous souvenez peut-être qu'il a repris dans son homélie la fameuse parole de son prédécesseur, Jean-Paul II, « N'ayez pas peur », mais il a rajouté, et tout à l'heure des paroles ont pu rejoindre cette parole de Benoît XVI, « N'ayez pas peur du Christ ». À un autre moment, il a dit « De quoi avons-nous peur ? On a peur du Christ ».« N'ayez pas peur du Christ », et il poursuit Benoît XVI dans son sermon, « Il n'enlève rien et il donne tout ». Il n'enlève rien et il donne tout. C'est assez paradoxal parce qu'on va parler de se faire émonder, de se faire raccourcir, éplucher. Et pourtant, le Seigneur n'enlève rien. Il y a d'autres peurs, ou plus précisément d'autres émotions qui peuvent surgir à l'idée de se faire émonder. Peut-être que certaines rejoindront vos expériences. La peur, il peut y avoir en nous des sentiments de culpabilité face à des pans entiers de notre vie qui nous semblent sans fruit, sans résultat, sans efficacité, peut-être même sans fécondité. Et on peut avoir peur de ne pas bien faire, l'idée d'émonder aussi, on peut peut-être avoir peur d'être puni. On peut traverser des sentiments d'échec ou d'impuissance, on ne serait pas les premiers. Voire avoir des sentiments de colère face à l'injustice. Voilà, pourquoi on m'a enlevé ça? Pourquoi telle mission qui semblait fructueuse m'a été enlevée? Pourquoi tel être cher aussi a pu m'être enlevé? C'est comme si j'avais été amputé d'une part de moi-même. Et en plus, quand j'ai l'impression de ne pas avoir de fruits, je pense à la phrase « on juge une œuvre à ses fruits ». Alors peut-être que mon œuvre était mauvaise, voilà, on peut être envahi de tous ces sentiments. Et même si nous donnons du fruit, vous l'avez entendu dans le texte, c'est peut-être ce qui est le plus surprenant. Hein. Voilà, celui, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il porte plus de fruits. Et je pense que, comme moi, vous avez en tête ces histoires saintes, ces histoires de saints qu'on n'a pas forcément envie, auxquelles on n'a pas forcément envie de ressembler, tellement ils nous ont semblé émondés douloureusement. Et je pense spécialement à la triplette sainte des Thérèse. Sainte Thérèse d'Avila, dont tu vous as été dit hier matin à cet endroit qu'elle pouvait dire à son Seigneur « Je comprends que tu n'es pas beaucoup d'amis, donc je ne vais pas le redétailler. »
Tout récemment, la troisième, Mère Teresa de Calcutta, dont on a découvert après sa mort qu'elle avait vécu pendant des dizaines d'années dans la nuit de la foi, sans consolation sensible. C'était comme ça que le Seigneur a traité sa grande amie qu'il avait envoyée en mission en lui parlant à l'âge de 39 ans. Et puis entre les deux, j'insisterai peut-être un peu plus sur la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Et je connais des personnes qui me disent « Moi, cette sainte-là, je ne l'aime pas. » Voilà, sa vie est trop courte. Elle a vécu jusqu'à 24 ans. Et sa dernière année, c'est également le temps de l'épreuve spirituelle. Elle est entrée dans cette épreuve pendant la semaine sainte de 1896. Et cette nuit-là, de la foi, va durer pendant un an. Ce n'est pas exactement la nuit de la foi au sens où elle a toujours foi dans le Seigneur, mais elle doute sur la vie éternelle. Ce n'est pas rien quand on connaît toute sa vocation magnifique. Elle doute de la vie éternelle et elle doute aussi de sa propre fécondité. Et pourtant, c'est une petite clé déjà, la petite Thérèse demande à ce moment-là à parrainer un second missionnaire. Vous savez qu'elle c'est la patronne des missions et sa vocation était née de l'idée de prier aussi pour les prêtres. Et dans son Carmel, elle a demandé à ce moment-là où elle traversait cette nuit de prier pour un second missionnaire. C'est là aussi qu'elle a découvert, et c'est je crois la grande clé de l'enseignement, ma vocation c'est l'amour. Voilà. Toute dépouillée de beaucoup de choses, elle s'est recentrée sur le cœur. Voilà, tout ce qui compte au fond, c'est l'amour. On est vraiment, c'est vrai, traversés les uns et les autres devant l'immense mystère de la souffrance innocente. Et je me souviens du président de Alliance Vita, Dr Xavier Mirabel, qui avec beaucoup de pudeur nous a témoigné quelques mois après l'accident de circulation qui a coûté la vie à son fils aîné, qui était séminariste. Hier encore, un prêtre m'a dit quel scandale c'était à ses yeux, quand il était tout jeune, de découvrir que Dominique Savio, à 15 ans, était mort alors qu'il voulait devenir prêtre. Et puis dans les temps où les vocations sont si rares, sacerdotales, quel scandale de voir un séminariste. Et donc Xavier et Marianne, qui bien sûr ont été très éprouvés, ont traversé cette peine. Et Xavier nous disait quelques mois plus tard, ce qui nous a permis de traverser cette peine, c'est premièrement que nous avons consenti au fait que ce soit un mystère. Nous avons consenti à l'incompréhension. Et deuxièmement, que cette incompréhension, ce mystère, nous l'avons vécu avec Jésus. Voilà, il faut nous faut assumer ensemble, en méditant cette allégorie de la vigne véritable, notre humble condition humaine qui ne peut tout comprendre. Souvent, la quête éperdue du pourquoi a quelque chose de stérile. C'est ce que dit Adolphine Julian dans son livre « Deux petits pas sur le sable mouillé ». Le pourquoi est très vite stérile. Le pour que, ou en tout cas le comment je le vis, voilà qui peut peut-être donner des fruits au travers de l'incompréhension. Et alors que le péché originel, vous savez, c'est celui de la cueillette du fruit de l'arbre défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous parle de l'arbre de l'abandon. L'arbre de l'abandon. L'abandon, dit-elle, c'est le fruit délicieux de l'amour. Vous connaissez, c'est oui en musique. Alors on est invité ce matin à se laisser donc consoler au travers de ce mystère de la souffrance qu'il y a derrière ce mot démondé. Et peut-être se laisser consoler aussi par la dernière des paroles. « Déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre, » dit Jésus. Mais ce n'est peut-être pas vrai tout à fait pour certains. Eh bien, il y a la confession, le sacrement qui, dans cette journée, est tourné vers la miséricorde, qui peut aussi nous aider à, on le verra, à se laisser complètement émonder de ce qui est bon à brûler dans le feu d'amour du Seigneur. La méditation sur... cette vigne qu'on émonde ne peut pas se concevoir sans la paix. L'amour bienveillant de Dieu, ce vigneron qui aime sa vigne, qui nous donne son Fils, ce cèpe, comme source de notre propre vie.
Donc le dessein du Créateur, c'est notre plein bonheur. Voilà, c'est important de ressaisir que tout ce qui est coupé, c'est au fond pour notre plus profond bonheur. Il prend donc soin de nous, de chacun. On l'a vu par l'allégorie aussi du bon berger. Les brebis, on l'a vu hier, sont bien dans les bras de leur berger, mais ils sont tremblants devant la foule des étrangers. Et donc c'est vraiment accroché, attaché au bon berger, attaché au sept véritable, que nous pouvons seuls nous en sortir. D'ailleurs, dans le Cantique des Cantiques, on voit qu'il y a des prédateurs de la vigne. Ce n'est pas le vigneron, c'est « Attrapez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Alors, je vous ai apporté un balcon, j'ai pas de renard. J'aurais eu du succès. Et par contre, dans ce même Cantique des Cantiques, « J'ai trouvé celui que mon cœur aime, et je l'ai saisi, et je ne lâcherai plus. » Voilà, les bons sarments que nous voulons être ont saisi leur cep véritable et ne veulent pas lâcher le Seigneur. Alors que Satan veut nous décourager de donner du fruit, Dieu le Père prend soin de nous pour que nous en donnions. Avant-hier, j'ai taillé ma vigne. Voilà, j'ai continué à la tailler pour me déstresser. Une vraie vigne, j'ai failli vous apporter, enfin j'aurais voulu plutôt, parce que j'aurais peut-être pas osé, mais un sarment, plus qu'un sarment de 6 ou 7 mètres de long avec zéro fruit. Et en taillant cette vigne, qui était complètement échevelée et à l'abandon, je suis désolé pour les vignerons professionnels qui vont peut-être trouver ça un peu décalé par rapport à leur technique, mais j'ai fait une taille un peu intuitive. Alors il y avait des sarments qui montaient jusqu'au sommet des arbres fruitiers voisins, et en les tirant comme ça, ça venait tout seul, et je me disais, je voulais même parler, j'ai entendu hier frère Marc qui parlait à sa sœur Poule, moi j'ai dit, mais c'est pas possible, quel culot de monter si haut et de ne rien donner. Et ça partait dans tous les sens, donc j'ai coupé, ça fait un énorme tas qui s'est flétri en quelques minutes. Alors il y avait donc ces sarments immenses, très verts, et qui ne donnaient strictement rien, j'en ai beaucoup coupé. Il y avait aussi des petits sarments secs, des bouts de cèpe parfois même, qui se cassaient tout seuls, et que bien sûr j'ai dégagé pour libérer très près du cèpe principal, de ces deux branches, très près, il y avait des sarments qui donnaient des grappes et dont je pouvais couper le bout, voire les toutes petites grappes, pour que, à l'arrivée, ça m'a vraiment fasciné de voir que, c'est vrai que, on a peut-être quelques scrupules écologistes en se disant pourquoi martyriser la nature, pourquoi couper. Et je peux vous dire qu'entre le spectacle d'une espèce de jungle moche et puis le résultat ensuite d'une vigne bien taillée, bien attachée avec les fruits qu'on voit parce qu'ils sont découverts au soleil, on sent que c'est bon et que c'est bien. On sent que le bon vigneron, eh bien, il prend soin effectivement de sa vigne. Quand elle est complètement ratiboisée, elle est au fond magnifique. Alors ce que j'ai fait en pensant à vous, parce que ça m'a donné quelques idées, ensuite j'ai vérifié sur internet si je n'avais pas fait de grosses bêtises. Et j'ai trouvé taille d'été ou de juillet. Je cite, il s'agit d'une taille de fructification, elle n'est pas obligatoire, elle consiste à limiter le nombre de grappes à 5 maximum par sarment et à couper au plus court les sarments qui n'en ont pas. Vous pouvez également éliminer les toutes petites grappes car leur rendement sera faible. J'espère que ça vous aide, vous tous sarments, à envisager la façon dont nous pouvons nous laisser tailler. Mais justement, la question que je voudrais poser maintenant, c'est quelle participation à notre taille? Parce qu'il ne nous est pas dit, vous l'avez vu, la main de Dieu nous taille, nous émonde, pour nous garder attachés à son Fils et donner du fruit par son Fils. C'est mystérieux comme travail, mais c'est quoi notre attitude? Il n'est pas du tout écrit que nous avons à nous évaluer, à nous automutiler. Et donc, sans doute, faut-il faire attention au volontarisme, on pourrait même dire à un certain dolorisme, hein, qui, avec une mauvaise interprétation de certaines vies de saints, pourrait nous conduire à penser que plus je souffre, plus c'est bien. C'est beaucoup plus mystérieux que cela, bien sûr. Attention aussi à une forme de masochisme ou d'autopunition. Moi, dans les personnes que j'accompagne parfois, dans des situations difficiles, je pense à des femmes qui ont vécu l'avortement, je vois parfois des personnes qui s'auto-condamnent et qui se coupent du Seigneur en considérant, j'ai déjà entendu, qu'il ne peut pas me pardonner. Alors que la miséricorde, vous l'avez entendu sans doute, c'est la limite absolue posée au mal. Et que
C'est pas dans l'autopunition qu'on se tourne vers le Seigneur, mais c'est dans la joie de la miséricorde. Attention aussi au défaitisme par rapport à ces situations où nous avons l'impression, et c'est peut-être qu'une impression, de ne pas donner de fruits. Sœur Faustine avait entendu du Seigneur que les deux obstacles à la sainteté, c'est l'inquiétude et le découragement. Et mon accompagnateur spirituel, très régulièrement, il me dit, n'oublie pas, deux obstacles à la sainteté, inquiétude et découragement. D'un autre côté, non pas de volontarisme, mais d'un autre côté, nous savons aussi que le Seigneur, le Père, nous a créés libres, libres de décider, de discerner, d'agir bien ou d'agir mal d'ailleurs. Et on a donc à poser des choix intérieurs. Et je voudrais revenir sur un épisode de la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, où justement, elle raconte un moment extrêmement important de sa vie spirituelle, qui peut nous aider, vous savez qu'elle est docteur de l'Église, chacun d'entre nous à avancer vers le Seigneur aussi. C'est sa nuit de Noël de 1886. Elle était, quand elle avait 13 ans. Et elle était très émotive, vous savez, elle était peut-être même maladivement émotive, très sensible. Et cette nuit-là, elle revient de la messe de minuit, en famille, avec Céline, avec son papa qui est veuf. Et puis, très vite, elle va mettre ses chaussures devant la cheminée pour les cadeaux de Noël. Et son père, qui est agacé devant ce qu'il trouve être un enfantillage, dit à Céline, la grande sœur, « Heureusement que c'est la dernière année. Heureusement que c'est la dernière année. » Et voilà Thérèse qui fond en larmes. Il faut mesurer, ça paraît tout à fait anodin, mais il faut mesurer que dans des événements aussi anodins peut-être de la vie, se jouent parfois de graves blessures, de graves souffrances, des peines qui remontent à la toute petite enfance, à des abandons, etc. Et donc, elle se met à fondre en larmes, mais très vite, brusquement, elle se reprend, elle essuie ses larmes et elle ouvre ses cadeaux joyeusement. Elle ouvre joyeusement ses cadeaux alors qu'elle était si triste. Et voilà ce qu'elle dit ensuite. « En cette nuit où il se fit faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse. » Il me rendit forte et courageuse. Elle découvre, Sainte Thérèse, cette nuit-là, à 13 ans, la joie dans l'oubli d'elle-même. Elle dit également « Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir. Et dès lors, je fus heureuse. » C'est dans sa petite histoire qu'elle a racontée. Elle a donc été ce jour-là comme libérée de ce défaut, de cette blessure particulière, de sa très très grande, trop grande sensibilité. Elle dit elle-même qu'elle est ce jour-là sortie de l'enfance en apprenant à aimer plus qu'à être aimée. C'est le changement qu'elle a fait. Et cette grâce l'a donc fait grandir en Jésus. Vers la fin de sa vie, elle a appelé cette nuit de Noël, de ses 13 ans, la nuit de ma conversion. Le commencement de la troisième partie de sa vie, de ma vie, dit-elle, qui est la plus belle. Et je cite ce qu'elle dit vers la fin de sa vie. « J'ai pensé aujourd'hui à ma vie passée et à l'acte de courage que j'avais fait autrefois à Noël. Et la louange adressée à Judith m'est revenue à la mémoire. Vous avez agi avec un courage viril et votre cœur s'est fortifié. » Bien des âmes disent, je pense qu'on peut écouter ce que nous dit dans nos moments peut-être de découragement, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Bien des âmes disent, mais je n'ai pas la force d'accomplir tel sacrifice. Qu'elle fasse donc ce que j'ai fait, un grand effort, c'est-à-dire de ne pas pleurer. Ce grand effort, c'est ça dans sa vie, ne pas pleurer et ouvrir ses cadeaux joyeusement à 13 ans. Le bon Dieu ne refuse jamais cette première grâce qui donne le courage d'agir. Après cela, le cœur se fortifie et l'on va de victoire en victoire. Alors comment et pourquoi devons-nous coopérer à cette taille? D'abord, il faut noter, pour ceux qui douteraient que nous ayons à y coopérer, que Jésus explicitement nous dit une phrase comme « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, de scandale, arrache-le et jette-le au loin, car il est avantageux pour toi,
qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans l'AGM. Voilà une parole forte qui incite aussi à contribuer à cette taille pour essayer de rester dans le Seigneur. D'une certaine façon, il faut reconnaître que chacun d'entre nous peut se couper de la source de vie, couper de Jésus, avec comme conséquence immédiate, au fond, de se dessécher. Parce qu'on voit, c'est frappant de voir, alors qu'il fait très chaud, on se demande où est l'eau, on coupe une branche, on coupe un rameau, quelques heures plus tard, il n'a plus du tout fière allure, il n'y a plus rien, c'est flétri. On est capable de se perdre, loin du bon berger, comme la chèvre de M. Seguin. Et le Seigneur utilise la même allégorie de la chèvre et du mouton, parce que les moutons suivent leur berger et les chèvres désobéissent. Ils vont parfois se perdre très très loin, très haut. Chacun est par ailleurs capable de faire ce qu'il veut, même au nom du bien, même au nom de la mission. On est capable de partir dans tous les sens, d'être activiste, désordonné, etc. Et on prétend peut-être que c'est au nom de Jésus qu'on est parti en mission, quand peut-être c'est en notre propre nom, c'est avec notre ego devant. On le voit avec l'histoire de Moïse, lorsqu'il tue un Égyptien au tout début de ce qu'on pourrait imaginer être sa vie apostolique. Il tue un Égyptien, il est violent, le lendemain il veut séparer des frères, et puis à nouveau il est menacé par eux, et il quitte, il fuit. On verra le même Moïse ensuite renvoyé, mais là, voilà qu'il s'était envoyé lui-même en mission, et qu'il est dans l'échec, dans la fuite, et sans doute le découragement, parce qu'il lui faut 40 ans au désert pour repartir. D'où quelques résolutions que je pourrais vous proposer, ou nous proposer. Les sarments pourris de nos vies, parce qu'il y a aussi des sarments qui pourrissent. Nos habitudes compulsives, peut-être un attachement excessif aux nouvelles technologies qui nous interrompent dans les vraies rencontres charnelles, dans le vrai temps présent. Nos amitiés malsaines, peut-être certaines conversations malveillantes. Et dans certaines familles, il y a des conversations malveillantes qui sont redondantes. On dit toujours du mal de la même personne. Enfin, tous ces lieux qui sont finalement pourris, des actes qui nous font régresser. Il est possible, avec Jésus en Jésus, il est peut-être possible, il est même certainement possible, et à lui de voir, dans sa grâce, de les couper. Un zeste de vie intérieure, de réflexion, un temps tranquille passé avec le Seigneur devant le Saint-Sacrement, peut nous révéler en lui ce qu'il faut couper pour réviser sa vigne. Voilà. On peut demander donc à Dieu, pour devenir ce que nous sommes, d'être éclairé sur ce qui peut être purifié en nous. Même si peut-être ces habitudes ou ces tendances vont rester, vont demeurer, et que toute notre vie on va combattre avec des victoires, gloire à Dieu, avec des défaites, encore gloire à Dieu, parce que c'est notre humilité qui sera maintenue par ces défaites dans les combats organisateurs de notre vie, où on va se battre jusqu'au bout. Voilà, ça c'est le mystère de Dieu qui le permet. Notre péché, qui est par essence le sarment mort, le sarment même on peut dire qui donne des fruits vénéneux, eh bien c'est le moment, à chaque fois qu'on va se confesser, et peut-être même on peut entre deux confessions demander pardon péché par péché, pas la peine d'attendre le jour où on remet tout le fagot à brûler, eh bien ce péché il n'est pas si simple à trouver. Donc c'est vraiment dans le Seigneur qu'on peut le prier, fais-moi connaître mon péché. Fais-moi voir vraiment ce qui est de ma responsabilité et ce que je peux remettre à ta miséricorde inépuisable. Et puis il y a cette question complexe des sarments gonflés d'eux-mêmes. C'est nos projets, nos ambitions qui sont apparemment belles, mais au fond, quand on regarde de près, elles sont intéressées, ces ambitions sont nombrilistes. Elles sont auto-centrées. Au fond, c'est ces sujets où on a un petit malaise intérieur parce qu'on sait bien qu'on le fait, mais qu'on le fait aussi, et peut-être même d'abord pour nous. Et on n'est pas du tout certain d'être prêt à s'en détacher. Il y a des désirs qui sont non purifiés en nous. Moi, j'avoue que je traque un tout petit peu en moi-même, mais c'est presque plus facile de traquer la paille dans l'œil du voisin. Alors je traque assez vite ceux qui me disent « je veux ou je ne veux pas ». J'ai une réponse un peu agaçante souvent, je me rends compte pour mon entourage, je dis, mais attends, la question c'est, est-ce que tu te sens appelé à le faire ou pas? Parce que vouloir, bien sûr, l'enjeu c'est de rejoindre le désir de Dieu en nous, et ça veut dire à quoi je suis appelé. Parce que vouloir, c'est pas un critère de discernement suffisant.
Et le discernement spirituel, pour savoir ce à quoi je suis appelé, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en claquant du doigt, mais ça peut se faire dans les charismes, c'est vrai. Ça doit se faire aussi selon certaines méthodes. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, quels sont les mouvements intérieurs que j'ai, où se situe mon désir, qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce qui m'attire. Et petit à petit, en priant, en se libérant progressivement, en ayant posé toutes ces colonnes, le plus, le moins, etc., dans la prière, devant le Seigneur, peut naître à ce moment-là une conscience plus aiguë de l'appel. Voilà à quoi je suis appelé. Et peut-être que je vais devoir laisser couper toute une branche qui, effectivement, grimpait très haut, mais était essentiellement gonflée de moi-même et pas du Seigneur. J'aime bien, c'est la seule phrase de philosophie que je connaisse, dans Aristote, Éthique à Nicomaque, « Je perçois les choses de la façon dont je suis disposé. » Autrement dit, on est disposé d'une certaine façon et souvent centré sur nous-mêmes, ce qui fait qu'on tord souvent la volonté de Dieu à notre profit. On tire la couverture à nous. Et prendre conscience de ces dispositions de cœur, de ces attachements, de ces jalousies, de tout ce qui nous anime, aussi peut-être de cette générosité qui peut être bonne, eh bien, en prendre conscience va nous aider à libérer notre discernement pour vraiment choisir ce qui est juste et bon de faire. Mais c'est pour autant, il faut reconnaître que même les plus belles de nos œuvres peuvent être abîmées par notre ambivalence, et peut-être ça, il faut l'accepter. Je veux dire par là qu'il ne faut pas forcément jeter le bébé avec l'eau du bain quand nous percevons que nous avons de l'ambivalence. Il faut la percevoir, cette ambivalence, n'est pas forcément renoncer à cette mission, au motif par exemple qu'elle serait source d'orgueil. Je me souviens qu'au tout début d'À bras ouverts, au bout de 2 ans, j'étais frappé de voir l'admiration que suscitait mon action dans le regard des autres. Donc je me promenais avec mon auréole au-dessus de la tête, c'était assez agréable de voir les gens qui trouvent que c'est bien ce que vous faites, même si certaines admirations on a le sentiment d'être mis à l'écart, voilà. Et donc j'ai fait une retraite, j'avais un énorme scrupule, je me disais, ben, si À bras ouverts produit chez moi de l'orgueil, ben, il faut que j'arrête. Et donc je me demandais s'il ne fallait pas arrêter cette action à cause de l'orgueil, voilà. Et puis dans cette retraite qui prenait 10 jours, vers les 3/4 de la retraite, là, quand j'étais vraiment dépouillé, que ça remontait un tout petit peu, j'ai ressenti un immense amour pour mes amis d'À bras ouverts, ces enfants porteurs de handicap, je me souviens de Stéphane qui était sourd et aveugle, et je me suis dit, mais comme je les aime. Le Seigneur me renvoyait vers eux, il me disait, ton orgueil, donne-le-moi dans la confession, travaille ça. Mais ce n'est pas une raison pour tout abandonner, bien sûr, pas de découragement. Et toute proportion gardée, parce que la comparaison serait culottée, vous savez que le curé d'Ars a 2 reprises a fui son confessionnal. En disant, je vais être damné parce que je confesse trop, j'arrive pas à prier suffisamment. Et puis ces paroissiens, voilà, qui étaient à ce moment-là, d'une certaine manière, les envoyés de Dieu, les bons anges l'ont ramené dans son confessionnal, et c'était vraiment sa vocation. On peut avoir des scrupules sur notre propre vocation. Souvent, j'ai remarqué qu'il y a un élément de purification par rapport à nos vocations qui ressemble un peu au sacrifice d'Abraham. C'est-à-dire que ce à quoi on est très attaché nous est pris, en l'occurrence son fils. Ça peut être aussi une maison auquel on est attaché, ça peut être une fiancée peut-être, je ne sais pas. Et parfois, alors que ça nous a été pris, ça nous est rendu. Ça nous est rendu quelques temps après, et avec en nos cœurs une grande joie de savoir que c'est un cadeau du Seigneur. C'est plus notre propre volonté, notre propre attachement, mais c'est lui qui nous confie ce bien, ce à quoi nous étions attachés, et maintenant on le vit dans le détachement du cœur. Être émondé, c'est être diminué. Et on peut dire que notre vocation chrétienne, la vocation de l'artichaut au fond, c'est celle, c'est vrai, d'être diminué. Il y a un moi en nous, un moi en moi, qui a besoin qu'on lui rabatte le claquet. Et ça peut se faire parfois de façon providentielle. Je donnerai encore un tout petit témoignage personnel. Il y a quelques années, ma paroisse a proposé un jeûne paroissial d'une semaine au pain et à l'eau. Et je m'y suis mis joyeusement, parce que ça ne me coûte pas trop, bon bref. Et puis, au 5e jour du jeûne, on était 400 à faire ce jeûne, hein, c'était pas loin de Paris. 400 à le faire ensemble, joyeusement, bon. Et le 5e jour, j'étais fatigué. Et le lendemain, j'avais une audition importante avec des personnalités sur un sujet que je connaissais bien.
Mais comme j'étais trop fatigué, je me suis dit je vais tomber dans les pommes, j'ai demandé à une collaboratrice, à une amie, de bien vouloir me remplacer, ce qu'elle a accepté. Je ne vous cache pas que pour moi, spontanément, je n'aurais pas laissé cette place. Je pensais que j'étais le mieux placé pour le faire, que j'avais les compétences, et puis c'était flatteur de rencontrer des personnalités importantes et de pouvoir délivrer mes arguments, etc. Mais la fatigue m'obligeait à le faire. Et puis, quelques temps après, un évêque m'a appelé et m'a demandé si j'acceptais d'animer des soirées dans son diocèse, deux soirées avec des experts de son diocèse, des prêtres et laïcs qui parleraient des sujets bioéthiques. Au début, j'avais accepté, pensant que je serais la star de l'intervention. Mais quand j'ai appris qu'au fond, il me demandait un rôle de journaliste et d'interroger d'autres experts, j'ai dit quand même, me prendre deux jours de mon temps pour animer des réunions. Et je me suis fermé. Je suis pas en train de me confesser là, c'est déjà fait. L'évêque m'a appelé, j'ai vu sur mon portable son nom, j'ai éteint, j'ai pas répondu. Il m'a rappelé une deuxième fois, il m'a dit voilà, tu viens, je vous ai appelé, mais j'aurais besoin de vous tout de même, je comprends, peut-être que voilà, moi j'avais rien dit, hein, j'avais juste dit que j'avais pas vraiment le temps. Mais je pense que ça serait bien parce que voilà, vous pourrez les interviewer, c'est important d'avoir des experts locaux, s'il y a des choses qui vont pas, vous pourrez peut-être dire ce que vous avez à dire, et vous sentirez très libre, mais vraiment j'ai besoin de vous. J'ai dit je suis désolé, pardon, je viens bien sûr, je me suis demandé pardon à l'évêque et au Seigneur aussi, j'y suis allé. Ces deux événements ont eu des fruits considérables dans la vie de mon association et peut-être dans la mienne. Ça m'a permis ensuite, les soirées qu'il avait organisées en diocèse ont été le modèle de soirées qu'on a organisées dans toute la France sur la bioéthique avec trois modules et trois experts. Et moi-même, j'ai animé des soirées avec d'autres experts dans toute la France pour un tour de France, alors que ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Et quand j'animais, je pouvais dire que, je peux les citer, Xavier Mirabel et Caroline Roux ont été publiquement auditionnés à l'Assemblée nationale, parce qu'ils l'ont été, c'était pas moi qui l'avais été. Et ça m'a permis de voir les fruits aussi chez mes amis, le déploiement de leur capacité et combien ça avait été nécessaire que je diminue, et combien aussi j'avais diminué, et non pas de moi-même, mais le Seigneur m'avait montré qu'il fallait laisser la place à d'autres et me mettre derrière. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, paraît-il, avait pris l'habitude d'offrir le matin au Seigneur les désagréments de la journée. Elle avait finalement par avance consenti à se laisser tailler, notamment les rencontres avec une sœur très acariâtre qui n'en finissait pas de lui dire « mais comme vous êtes gentil avec moi, comme vous m'aimez ». Et voilà, Sainte Thérèse avait choisi ça par avance. C'est peut-être des éléments dans nos vies à pouvoir, cet état de consentement au quotidien, accueillir au quotidien l'imprévu de Dieu. On l'a vu tout à l'heure avec Delphine qui a été coupée dans sa présentation. Sachant que, on voit la vocation chrétienne, on le voit aussi avec Saint Jean-Baptiste, c'est bien cette diminution. Il le dit explicitement, je dois diminuer pour que le Seigneur, lui, grandisse. Et il diminue jusqu'au bout, parce qu'il diminue aussi dans le doute, le combat de la fin de sa vie. Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en entendre un autre? Lui qui a annoncé le Seigneur sans douter. Allez dire à Jean-Baptiste, les boîtes marchent, les aveugles voient, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Mais Saint Jean-Baptiste paye quand même de sa vie, la vérité qu'il dit au roi Hérode, et il est décapité. Donc on voit que ça va jusqu'au bout, il est émondé jusqu'au martyr, et on le sait, l'Église est née aussi dans la fécondité du sang des martyrs. C'est Jésus lui-même qui est le plus émondé de tous, finalement, dans cette croix qui semble comme un arbre mort, ce sceptre qui est à la fois intact mais complètement émondé, abandonné de presque tous, sauf deux, quelques-uns, un homme et quelques femmes au pied de la croix, apparemment totalement infécond, et c'est là que tout ce fruit que nous sommes est sauvé. Mon père spirituel me dit souvent avec un zeste d'humour, tu sais, Jésus a déjà pris la dernière place, tu ne pourras pas lui enlever. Tu ne pourras pas lui prendre. Ce n'est pas tellement mon but de lui prendre, je dirais, mais d'autres l'ont tenté. Et c'est bien d'essayer d'être avec lui parmi les petits. Pour être émondé, sans doute nous faut-il accepter notre fragilité, notre condition fragile. Et même peut-être et surtout lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive.
Je pense notamment, peut-être certains d'entre nous vous avez des épines dans la chair, comme le disait Saint Paul, des choses qui vous empêchent, vous avez l'impression que ça vous empêche de vivre, mais peut-être même de donner du fruit. Peut-être un sarment que vous trouvez pourri, comme un kyste dans votre vie. Je ne sais pas exactement, beaucoup de gens y ont réfléchi, ce que pouvait être cette épine dans la chair de Saint Paul. Vous savez que par trois fois, dit-il, il a supplié le Seigneur de la lui enlever, et le Seigneur lui a répondu. Voilà, vous savez par cœur. Ma grâce te suffit. Donc au-delà des actions de discernement à opérer, l'essentiel c'est vraiment le consentement à la grâce. Le consentement au mystère de la taille que fait Dieu. Je me souviens aussi d'une missionnaire du Congo Brazzaville, sœur Anna, qui a donné toute sa vie, elle est encore là-bas pour aider les femmes en difficulté, les femmes enceintes, et proclamer le respect de la vie dans ce pays. Et dans les moments peut-être de découragement face à la guerre civile, face aussi à de graves problèmes dans l'église locale, elle m'avait dit à quel point elle avait été touchée par la parole dans l'évangile, le grain germe, on ne sait comment. Mystère de cette fructification qui fait que nous ne sommes pas forcément capables, de là où nous sommes, de voir comment ça se passe, mais simplement d'avoir confiance dans le fait que Dieu sait ce qu'il fait. Pour ça, peut-être pour être vraiment dans ce consentement, pourrions-nous passer de l'économie de l'efficacité à celle de la fécondité. L'efficacité, c'est souvent lié à notre ego, volontarisme, je veux réussir, je veux engranger des résultats, je veux les compter, et je m'attribue finalement vite la gloire. Je pense que chacun d'entre nous en a fait l'expérience, hein. Même quand on donne au Seigneur les beaux fruits qu'on a obtenus grâce à lui, très fréquemment on se les attribue à soi-même, partiellement, et donc c'est de l'ordre, trop souvent de l'efficacité personnelle. Tandis que dans la fécondité, elle passe par moi peut-être, mais elle me dépasse, elle me traverse. C'est du lâcher prise. C'est dans la confiance, dans ce que Sainte Thérèse appelait, on l'a vu, l'abandon. Que ta volonté soit faite. D'où la nécessité peut-être de louer sans cesse. Comme les disciples ont pu le faire avec Jésus au retour de leur mission. Et Jésus leur a dit, oui, vous avez fait des belles œuvres. J'ai vu Satan tomber comme l'éclair. Mais réjouissez-vous surtout de ce que vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Vos noms sont inscrits dans la paume, ton nom est inscrit dans la paume de ma main, disait Dieu à Isaïe. On retrouve cette confiance, cet attachement indéracinable entre Dieu et l'homme. Comment peut-on entrer dans l'économie de la fécondité? Je vous proposerai quatre petits points. D'abord, dans une recherche d'un ajustement dans notre relation au temps. Le temps, c'est une créature très sympathique que Dieu nous a donnée spécialement pour nous, hein. Les anges sortent du temps, mais c'est nous avons le temps. Et peut-être qu'on peut avoir un rapport au temps plus simple, plus humble. J'ai envie de dire concentré, non pas stressé. C'est comme ça que je pense, je ne prétends pas rajouter au « je crois en Dieu », mais concentré, non pas stressé, de même nature que le Père. Je pense que Jésus devait être comme ça. Voilà. Attention à l'accélération activiste, hein, qui peut nous tenter. En tout cas pour moi, j'ai une sœur qui m'a dit un jour, fais attention, toi le diable, il veut te faire accélérer pour que tu sortes de la route. Accélérer peut-être mon débit de parole, pardon pour les traducteurs, mais accélérer dans un surcroît d'action. À un moment donné, il y a un jeûne d'action, une ascèse qui peut être faite. Et en prenant soin peut-être de nous-mêmes, par exemple, dans ce temps. Quel temps pour moi-même, pour le repos, pour le sommeil? Quel temps pour les priorités, vie conjugale, les enfants? Puis le travail. En ce temps de jeûne, le prêtre de ma paroisse avait dit au cadre surmené de la région parisienne, au moins vous jeûnerez un peu de votre travail. Et vous, parce qu'il fallait être tous les soirs à 20h dans la paroisse pour une demi-heure d'adoration du Saint-Sacrement. L'agacement, la fatigue excessive, c'est des signes peut-être que notre rapport au temps n'est pas humble. Deuxième point, la fécondité humaine passe certainement par la grâce de la rencontre, par l'expérience du présent d'éternité. C'est ici et maintenant que ce temps nous est donné, le présent seul nous est donné pour aimer. Le passé, c'est pour la miséricorde, l'avenir, c'est dans l'espérance. Et au fond, chacune de nos rencontres peut être marquée par une inquiétude, des distractions, on pense à ce qui se passera demain, à ce qui s'est passé hier, alors que c'est ici et maintenant
que dans le face-à-face, eh bien, on a un événement précieux qui se passe et qu'il faut savoir goûter. Maurice Zendel, qui était prêtre, a parlé de l'agenouillement de son âme devant l'âme de celui qui l'écoute. Voilà, la paix du cœur, je me fais plus petit, je m'agenouille et j'écoute ce que l'autre peut partager et qui peut-être va m'aider à grandir, à donner du fruit, et à lui l'aider à donner du fruit. La vraie fécondité, troisièmement, ça passe par les pauvres. Ça passe par ce qu'on a appelé l'option préférentielle pour les pauvres, l'impératif d'aller à la rencontre des pauvres. Les pauvres, c'est nous. C'est nous, c'est le pauvre en moi, le vulnérable, celui qui se cache, celui qui peut-être tente de faire le beau derrière un podium, mais qui au fond a des misères. Et puis bien sûr, c'est des personnes qui sont, voilà, qui nous sont données de rencontrer, des prochains ou des moins proches, qui sont marqués par des souffrances, des peines, des handicaps, des maladies. Et là aussi, voilà, être émondé, c'est accepter d'aller de vulnérable à vulnérable. Parce que les fruits de ces rencontres, c'est la joie de Jésus hein, qui est émerveillée, vous l'avez entendu, je crois, hier matin aussi, devant ce qui est révélé aux tout petits, alors que c'est caché aux sages et aux intelligents. Et la vraie fécondité, ça implique aussi, quatrièmement, d'être à l'écoute des autres pour m'aider à accomplir ma mission et à connaître ma mission. Et l'aider aussi à l'épauler. Moi, par exemple, avant cette intervention, j'ai appelé quelques amis que je sais très souffrants. J'ai un ami qui a un syndrome de fatigue chronique et il est très souffrant et on échange souvent et je sais que sa prière de souffrant est vraiment, me donne des forces. Vous savez que les ministères de la charité de Mère Teresa sont accompagnés chacune par un serviteur souffrant, par un coopérateur plus exactement souffrant qui accueille, accepte de confier, de déposer toutes ces souffrances qu'il a, qu'il vit, qu'il endure pour la vocation d'une sœur à l'autre bout du monde. Et cette vraie fécondité, ben nécessairement, au fond, ils sont interdépendants. On n'est pas tout seul à accomplir la mission. À Alliance Vita, je remarque souvent que nos projets, la fécondité de nos projets, défient la logique humaine. Et au fond, ça me fait parfois penser à Harry Potter, vous savez, pour ceux qui ont lu le tome 1 au moins, il y a un quai de plus. On traverse un mur et il y a un train qui nous amène à un endroit que personne d'autre ne connaît. Donc nous, on construit des projets efficaces. Je vous le garantis, on prépare tout, on fait en tout, comme si notre efficacité devait l'emporter. On crée un projet, on a un but, etc. Après, il se passe des choses. Et en général, le projet, il n'aboutit pas exactement comme on l'avait voulu. Parfois, c'est le chaos. Parfois, on a l'impression même que tout est raté. Et très fréquemment, on découvre des fruits imprévus. Soit qui était caché, soit qui éclate au contraire en résultat absolument inespéré. C'est comme si le Seigneur voulait dire, voilà, je fais avec toi, j'ai besoin des 600 litres d'eau des noces de Cana, mais ce que je donne, tu ne peux même pas imaginer à quel point c'est miraculeux. J'ai presque terminé, je voudrais partager quelques clés encore pour se laisser émonder. Et puis ça parlera peut-être à certains d'entre vous, laissez le Seigneur vraiment s'approcher. Laissez s'approcher. Il est capable, il est seul capable d'enlever avec une infinie délicatesse ce qui doit être enlevé. Les mille épines stériles peut-être qui nous font mal, il est peut-être capable de nous les enlever. En tout cas, il veut peut-être les enlever et sinon nous aider à vivre avec. Il est capable aussi de nous envoyer en mission sur le lieu de nos talents ou pas. Moïse, qu'on avait tout à l'heure avec nous dans son volontarisme meurtrier, et réenvoyé, va voir Pharaon, le buisson ardent. Que dit-il à Dieu ? Je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier ni d'avant-hier, et quand tu me parles, toi, Dieu, ma bouche est pâteuse. Et Dieu se fâche et dit, mais qui t'a fait une bouche ? C'est assez paradoxal de voir que bien des vocations sont à la fois ancrées sur les réels talents humains visibles des personnes, mais également déjouent complètement les talents de la personne semblent apporter un plus, un supplément de grâce qui n'appartient qu'à Dieu, comme pour dire à la personne « Que n'as-tu que tu n'as reçu ?» Et d'où la nécessité de ne pas avoir cette fausse humilité, de prétendre qu'on n'a pas les talents qu'il faut. « Je te bénis, Seigneur Dieu, pour la merveille que je suis, magnifique, rempli de tous les talents que tu m'as donnés, prêt pour la mission. » On peut aussi demander avoir ses fruits,
Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour tenir dans ce temps au Carmel où elle a énormément prié pour les prêtres, pour le salut des âmes, au point même de promettre qu'elle le ferait encore au ciel, eh bien Sainte Thérèse avait prié le Seigneur de lui donner un signe lors de sa première grande intercession, ce fameux condamné à mort, vous savez, Panzini. Elle a demandé un signe, effectivement, au dernier moment, ce condamné pour lequel elle avait prié a embrassé la croix qu'il avait refusée à quelques reprises. Et voilà un bonbon pour notre route, pour la route de la petite Thérèse, pour tenir ensuite dans sa nuit. Et donc nous avons peut-être, nous, à demander de voir ces fruits de notre action, cette fécondité de notre prière, de nos actions, et puis ensuite, bien sûr, ne pas les oublier. On peut aussi demander au Seigneur de venir revivifier certains lieux de nos vies qui sont morts. Ça demande qu'ils sont stériles, qui nous semblent simplement parce qu'on ne l'a pas invité, parce qu'on est entré dans un esprit de fatalité. De temps en temps, moi ça m'arrive avec ma femme, on regarde un peu, on liste un peu tout et on se dit tiens, ce truc-là, cette relation-là, on n'y croit plus. J'ai dit tout à l'heure, on dit du mal de la personne, on ne croit plus dans cette personne. Là, il faut demander au Seigneur de visiter cette relation, de toute sa bienveillance, pour nous redonner cette vie, c'est-à-dire cet amour pour cette personne. Ça peut être, par exemple, des pans entiers de nos vies qu'on tient cachés. On aurait envie de dire, ben, il faudrait tout couper, puisque le Seigneur n'y est pas. Et pourquoi, au lieu de le couper, ne pourrions-nous pas inviter le Seigneur à venir dans nos loisirs, dans nos vacances, dans notre métier, avec nos clients? Inviter le Seigneur partout pour que tout lieu de nos vies soit vivifié par son amour. Toute rencontre un peu difficile, quelle qu'elle soit, le médecin pour son patient peut inviter le Seigneur, au-delà de sa compétence professionnelle, à être le vrai médecin aussi. Voilà, avec un client difficile, quand il y a un conflit, dans la louange intérieure, au moment d'une réunion difficile, inviter le Seigneur à faire de ce lieu un serment vivant en lui. Et quand c'est douloureux, quand ça paraît absurde, quand ça paraît injuste, un enjeu majeur est de ne pas se débattre, de ne pas ratiociner face à la justice. J'avais au téléphone un prêtre hier qui a été à un moment donné arraché à une mission apparemment très féconde, il y a quelques années, et qui, je m'en souviens, avait été meurtri de voir qu'on lui avait enlevé cette mission pour une histoire compliquée qui n'était pas jolie. Et quelques années après, je lui ai téléphoné, je lui ai dit « Mais comment tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu en penses ?» Il m'a dit « Au fond, je me suis rendu compte que moi, je voulais plus, mais que le Seigneur, lui, il voulait plus, plus, plus. » Et qu'effectivement, ce temps d'arrachement, où il a été dans l'obéissance par rapport à la nouvelle mission qu'on lui confiait, eh bien, ça a été un temps de consentement à une forme d'injustice, ou en tout cas au mystère de l'injustice par rapport à ce qu'il imaginait. Et au fond, c'est vrai, on peut le dire, j'ai un frère prêtre, il me l'a dit aussi il y a quelque temps, un des grands enjeux aujourd'hui, une des grandes difficultés dans l'Église, c'est la désobéissance. C'est le fait qu'on n'obéit pas, qu'on ne va pas chercher l'autorité. L'autorité de son conjoint, l'autorité de son accompagnateur spirituel, qui bien sûr respecte notre liberté, la belle, magnifique autorité de l'Église, l'autorité du Père, qui sait très bien ce qu'il fait quand il taille et qu'il laisse. Enfin, les fruits de l'esprit, j'avais prévu de vous les lire, ils sont dans la lettre de saint Paul aux Galates, au chapitre 5. On sait bien tout ce que produit la chair, ça c'est l'inverse. Fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Les traducteurs se reporteront au verset 19 du chapitre 5 de la lettre de l'Épître aux Galates. Mais le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or ceux qui appartiennent au Christ, Jésus, ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Voilà, la taille en Jésus crucifie ses passions et convoitises pour nous donner finalement cette douceur de cœur du Seigneur. Je terminerai avec le bienheureux Charles de Foucault, qui, je pense, nous invite à ajuster comme critère de discernement
nos actions à ces fameux fruits de l'esprit, voir, vérifier si justement ces actions que nous conduisons sont faites dans la paix, la douceur, la joie, l'unité, etc. etc. Et à ce moment-là, on peut vraiment voir qu'elles soient magnifiques, très visibles aux yeux des hommes, ou toutes petites et invisibles, peu importe. Il y a aussi des très belles actions, votre présence ici, qui a été hier soir l'objet de 5 minutes de reportage au TF1 20h, c'est très beau. Il y a 10 millions de personnes qui ont vu ça. Voilà, c'est très beau. Gloire à Dieu. Et puis un tout petit truc que vous avez fait et qui donnera quelque chose que vous ne verrez jamais, gloire à Dieu aussi. Et Charles de Foucault, eh bien sa vie c'était une vigne échevelée, il partait dans tous les sens, vous le savez, c'était pas loin d'être orgie et ripaille. Et il s'est laissé trouver par le Seigneur, il s'est laissé émonder au sens physique comme au sens psychique et spirituel. Il avait derrière lui dans sa chapelle une immense image du Sacré-Cœur étendant ses bras pour embrasser, serrer, appeler tous les hommes et donner et se donner pour tous. Il écrivait, Charles de Foucault, « L'imitation est inséparable de l'amour ». Voilà, ce cep véritable, Jésus, nous sommes invités à l'imiter pour rester en lui. Hein, c'est, dit-il, le secret de ma vie. Il écrivait ça à ses amis, le secret de ma vie, c'est d'imiter Jésus. Pour moi, dit Charles de Foucault, chercher toujours la dernière des dernières places pour être aussi petit que mon maître, pour marcher avec lui pas à pas en fidèle disciple, pour vivre avec mon Dieu qui a vécu ainsi toute sa vie et m'en donne un tel exemple dès la naissance. Un dernier conseil de Charles de Foucault, il faut tâcher de vous imprégner de l'Esprit de Jésus en lisant et relisant, méditant et reméditant sans cesse ses paroles et ses exemples. Qu'il fasse dans nos âmes comme la goutte d'eau qui tombe et retombe sur une dalle toujours à la même place. Elle finit par faire un trou, vous savez. Voilà, et Charles de Foucault passait de longtemps devant le Saint-Sacrement pour méditer et pour se laisser émonder par le Seigneur avec, vous le savez, une fécondité qu'il n'a pas vraiment vue de son vivant, mais qui est magnifique avec toute sa famille spirituelle. Gloire au Seigneur.